question téléspectateur. Va-t-il y avoir une guerre européenne des masques, Cécile Cyber? C'est bon, au début, on nous a expliqué que les masques, ça servait à rien, maintenant tout le monde en veut. Oui, bah effectivement, bah c'est pour citer Marina Carrère d'Encausse hier qui a dit ça sur Europe 1, qui disait effectivement pour le bien commun, on a peut-être pas donné des informations totales sur ces masques chirurgicaux. On se rend compte effectivement. Qu'est-ce que vous voulez dire pour le bien commun? C'est-à-dire qu'on a menti sciemment, on a dit finalement les masques ça sert à rien parce qu'en fait on n'en avait pas et donc on ne voulait pas avouer que le roi était nu. C'est en tout cas ce qu'elle a tenté d'expliquer hier et je rejoins assez ce raisonnement. Effectivement, on n'avait pas assez de masques comme on l'a entendu de la bouche du Premier ministre. Or, ceux qu'on avait, il fallait les réserver aux premières lignes, hein, donc aux personnes qui sont exposées chaque jour, plusieurs fois par jour au virus, c'est-à-dire les soignants. Et donc peut-être, je ne sais pas, je ne cherche pas à expliquer le discours, mais peut-être que pour simplifier le message, on a peut-être fait passer ça. Or, on voit bien l'exemple de la Corée du Sud qui n'a même pas eu de vague à proprement dit, hein, qui a réussi à casser d'emblée, puisqu'ils étaient extrêmement bien préparés, extrêmement marqués par de précédentes épidémies de ce type. En fait, eux, ce qu'ils ont fait, c'est que très rapidement, ils ont réussi à mettre sur pied un test virologique, hein, qui permet de savoir un instant T si on a le virus ou pas en soi. Et puis, évidemment, toute la population a des masques. Hein. Je voyais hier un reportage d'envoyé spécial qui montrait qu'un jeune sportif avait été confiné 14 jours après avoir été potentiellement en contact avec quelqu'un et qui recevait un kit de la part de l'État avec 10 masques, avec un flacon entier de gel hydroalcoolique, enfin, voilà, toutes ces choses qui aujourd'hui... On va le dire, hein, on trouvait ça un peu ridicule, ces touristes asiatiques qui venaient en Europe avec des masques, et bah, il va falloir leur ressembler. Bah absolument, je pense que cette pandémie, elle va profondément changer notre manière d'appréhender les risques biologiques et peut-être qu'on va enfin écouter les scientifiques, je pense notamment aux chercheurs en recherche fondamentale, j'en ai eu beaucoup au téléphone qui travaillent sur les coronavirus, regarder tous leurs articles scientifiques. À la fin, il est écrit, étant donné que nous avons déjà eu en moins de 15 ans deux virus émergents, il faut s'attendre dans les prochaines années à très court terme à ce qu'un nouveau virus émerge. C'est vraiment une alerte qui a été lancée dans toutes les études sur les coronavirus. Jean-François Bergman, on a même senti hier le Premier ministre un peu agacé justement sur cette question des masques, parce qu'en fait, il a dit les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux sur l'opportunité de mettre un masque pour se protéger efficacement contre une pandémie. C'est vrai, on ne sait pas que penser. Non, c'est difficile parce que le politique s'en réfère aux scientifiques et en fait, il faut l'admettre, le scientifique lui non plus ne sait pas. Il a eu des positions divergentes. Il a pensé que les masques étaient bien, mais on lui a dit oui, mais il ne faut pas trop le dire parce que de toute façon, on n'en a pas. Donc, il faut essayer de les prioriser. Et pour la question, par exemple, du déconfinement, la question du pic, la question d'une recontamination, la question de serons-nous immunisés, la question de le vaccin va-t-il être celui qui servira pour plusieurs années, on ne sait pas. Et donc, on a des gens qui décident avec des spécialistes. Et qui ne savent pas, et qui décident avec des spécialistes qui ne savent pas forcément tout non plus. Donc on conçoit que ça soit extrêmement difficile. C'est d'ailleurs un peu paradoxal de parler de déconfinement, de modalité du déconfinement, alors que quand vous allez dans les hôpitaux de la région parisienne, on est absolument débordé, et de penser au déconfinement maintenant, c'est tout à fait anachronique. La question, c'est qu'est-ce qui va se passer bien. Mais oui, la question du jour, c'est comment vont aller mes malades? Est-ce que je vais pouvoir en faire sortir? Est-ce que je vais avoir du matériel? Et donc, déconfiner, ça paraît vraiment à milieu de notre quotidien. Alors, Patrick Pomme, c'est vrai qu'on a bien compris que sur les masques, il y a eu du flottement. Au début, on a dit que ça ne servait à rien. Maintenant, on en commande par millions. On fait étiqueter par les Américains. Est-ce qu'on ne va pas avoir le même sketch sur les tests? Alors, il y a deux sortes de tests. Puis, alors, hier, on nous a dit, oui, mais alors, au rythme où on fabrique les tests, il faudra un an pour tester la moitié de la population. Alors ce serait des tests en plus sanguins, on va faire des prises de sang à tous les Français. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Je réponds à la question, je voudrais juste dire que ce n'est pas anachronique de s'intéresser au déconfinement, parce que justement, gouverner c'est prévoir, et on doit prévoir la suite. D'accord, on ne doit pas faire une politique à la petite semaine. Donc ça c'est premièrement, mais je suis globalement d'accord avec ce qui a été dit. Sur les tests, c'était pas très clair, mais on sait maintenant qu'il faut tester beaucoup plus la population. Parce que comme ça permet de savoir qui on doit
surveiller, qui on doit traiter, qui on doit finalement, en disant ils sont négatifs, donc on va les surveiller. En fait, là, en plus, dans ces tests, à l'heure actuelle, avec le test, bon, les couvillons nasopharyngés, on a vraiment 30% de négatifs qui sont en fait positifs. Donc il faut vraiment se poser des questions sur ces tests. Donc c'est un coton-tige. Hein. Voilà, un coton-tige, ça fait très très mal. Mais, ça a l'air de rien. Oh, bah tiens, c'est vous le rend dans la main. Il faut que ça fasse mal pour que ça soit vrai. Donc, c'est pas rien. Mais le personnel qui fait très bien. Mais, voilà. En gros, il va falloir faire ça. Donc, du coup, il y a des idées à l'heure actuelle pour dire quand on va déconfiner, c'est comment on va réussir à voir qui est malade, qui l'a été et ne l'est plus, et qui ne l'a pas encore eu. C'est ça le problème. Un mot sur les masques. Quand vous avez des ingénieurs français qui inventent une machine pour reconditionner les masques, les restériliser et que ça marche, et que la Food and Drugs américaine dit « on prend votre système, ça va marcher », et que quand ils vont voir les autorités françaises pour utiliser ce procédé, on leur dit « non, c'est du jetable, on ne réutilise pas », on se pose des questions. Parce qu'on est dans une économie de guerre, donc tout ce qui permet et tout ce qui est dans l'intelligence des ingénieurs français de permettre de progresser, je pense qu'il faut l'avoir. Eh bien, on se rend compte que la science qu'on croyait carrée, elle a des interprétations différentes. Vous, les scientifiques, vous n'êtes jamais d'accord. Sur les masques, permettez-moi juste, dès le départ, les hôpitaux ont réclamé des masques, les EHPAD ont réclamé des masques, les médecins libéraux ont réclamé des masques, ces masques n'étaient pas là. C'était là le problème. Maintenant, ça n'a jamais, si vous dites à toute la population de mettre des masques, soit, mais en fait, on ne sait pas si ça donnerait de bons résultats et si ça limiterait finalement la pandémie. Alors, en Espagne qui est le deuxième pays le plus touché par le virus avec